Well, the murderers are out in force again. There have been rumors in Van Horn about some men coming in to hunt a rare beaver that Gus McMillan has put up a bounty for. Another pelt he'll probably just turn into a pair of gloves and sell for an obscene amount of money. Ugh! That man's greed! But anyway, it does sound like a spectacular creature. A night beaver, beautiful, jet black, a perfect specimen for my studies. Apparently, these men will be arriving by train into Annisburg. Maybe if you follow them, you can get to this poor beaver before they do. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur la chasse d'un castor ténébreux. Tadadoum. Bon, les mignons. Les mignons. Donc elle a parlé de train. Donc au final quand même il y a des petites choses, il y a un petit scénario. Est-ce que le scénario est tout le temps le même pour le même animal légendaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Animal légendaire qu'on ne croise pas comme ça dans le mode exploration. Mais il y a une petite brief de scénario, tout ça. Aller à la gare, ok, on va vraiment à la gare, tout ça. C'est cool, c'est vrai. La tenue n'est pas appropriée au lieu, nous pourrions dire. Voilà. Je ferai ma tenue. Je pense que je la ferai quand j'aurai terminé le métier. Quand on prend vraiment une tenue. Ah oui, c'est mon défi. Je m'en ai pas trop. Suivez les bras. Cognier. Donc avec l'ours. Parce qu'on a une cinématique avec un ours. Donc j'imagine bien que c'est dans une mission. On l'a. L'ours là qui est dans la mine. Visiblement dans ce qu'on a dans le trailer pour le métier. Non plus que je m'approche trop d'eux. Oh, la question du mec. Putain. T'es encore, remonte. Waouh, le pauvre gars. Ah, le pauvre, ce qu'il fait, c'est horrible. Hein. Mais wow, le mec il doit supporter l'autre, c'est encore pire. Je tiens à dire, alors, à tous les mecs qui font des jeux, les missions où il faut suivre des gars, mettez un bouton pour qu'on aille plus ou moins à la même vitesse que à la distance. Parce que là je les rattrape en fait. Parce que c'est fatigant. Ah déjà ils ont mis dans le solo, si je me souviens, on peut aller à la même vitesse qu'un allié en restant appuyé sur le bouton. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au solo. Ce qui est extrêmement bien quand même. Mais mettez là par exemple, là je dois les suivre, mettez un bouton automatique, je les suis quoi. Parce que c'est fatigant, pourrions-nous dire. Dans n'importe quoi, à pied, à cheval, en voiture, en avion, tout ce que vous voulez. Mettez juste un truc qu'on puisse se caler à la vitesse du mec, parce que chaque fois, accélérer, ralentir, je galère à parler tellement ça me fatigue. C'est chiant. Bon, par contre, je fais le métier naturaliste pour l'autre et là, mes vêtements. Les vêtements qui ne collent pas du tout avec le métier. C'est une question à laquelle je me suis souvent posé. Par exemple, si un animal meurt de mort naturelle, est-ce que c'est autorisé de le manger après? Je veux dire, de mort naturelle, c'est-à-dire genre de vieillesse, il meurt. Ou est-ce que c'est dangereux pour notre santé? Ce serait bien en fait que j'ai pas des alertes coupure de manette que je vois pas en fait. Mais c'était très gênant là. Ça en fait quand même deux. Je vais essayer de pas faire que ça arrive, mais au moins on vous dit sur le coup, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là faut que je fouille la zone. Et ouais, t'as loupé ta balle mon pote. Et voilà. Pour sauver un animal, j'ai tué deux hommes. Legit.
J'adore ce jeu. C'est légit de ouf. C'est lui. J'allais dire c'est lui. Oui, bah bien évidemment, c'est lui. Il ressemble. Il va me tuer. Il ressemble beaucoup. Là, je suis mortel. Allez, parce que c'est une mission, faut être gentil. Non, mais tu vas dormir. Tu vas dormir. Et tu comprends. Ah oui, j'allais dire, tu comprends pas dans le fait de dormir. Hein. Putain, j'aurais pu prendre en photo. Ah, mais je. Ah oui, j'ai eu peur. Je vais pas le réanimer. Je vais le réanimer. J'ai envie de voir un truc. Il va m'attaquer. Ouais, genre je mets les affaires. Je l'ai pris en photo, hein, parce que je sais pas s'il l'a déjà pris en photo ou pas. Castor, c'est quand même un drôle d'animal. Hein. Au final, il fait quand même. C'est peut-être un des seuls animaux qui fait des constructions qui pourraient s'apparenter à celles d'un homme. Qui me viennent comme ça en tête par l'insecte assez bousier, je n'ai plus exactement, j'ai perdu le terme, c'est une honte, mais bref, celui-là qui roule avec des excréments, il fait un peu une construction. Je sais que les singes peuvent se servir d'outils, tout ça, mais le castor, c'est vraiment, je trouve ça un peu fascinant entre guillemets d'avoir un animal qui puisse construire quelque chose de. D'aussi complexe quoi. Bon, après il y a les animaux, on peut me dire, bah les animaux, les oiseaux, on peut me dire qu'ils font des choses similaires, oui, mais je veux dire vraiment quelque chose d'aussi grand. Je trouve ça intéressant en fait d'avoir comme quoi c'est le premier animal à avoir fait un barrage avant l'homme, techniquement. Bon, après les oiseaux, vous me direz, c'est eux, ils ont fait des nids avant les hommes, mais bon, nous on n'a pas trop besoin de nids. J'arrête. Oh putain. Bah, attendez. Oh! Alors je pense que tu te relèves pas comme ça d'une explosion. Non, mais toi, attends, ton double canon, il reste au sol. Donc, que ce soit clair et net, il m'a quand même mis un coup avec le double canon. Ne tuez pas, ne tuez pas. Oh! Je l'ai juste étourdi, je le bute pas. Oui, il était comme un Playmobil. Il était vraiment comme un Playmobil. Le mec m'a dit, ouais, il est au fond de la cascade, limite. Mais, ta mère. Je devrais le buter juste pour ça. Mais bon. Le mec, il te dit un truc obvious. Le castor est au fond de la cascade. Ah non, il était pas au fond de la. Il est au-dessus? What the. Ça fait des aussi grandes distances un castor? Non, parce que pour moi ça avance lentement en fait. Bah, à part peut-être dans la flotte, mais bon, je pense pas qu'il. Je pense pas que le mec il fait des montagnes russes, tout ce que vous voulez, en descendant la cascade comme ça au pif. C'est-à-dire, le mec il a fait tout. C'est-à-dire, attends. J'ai du mal à comprendre. En gros. C'est-à-dire, là le chemin qu'on fait, il le fait plus ou moins. Pour aller jusque là-bas. Je m'y connais pas du tout en castor. Mais je trouve ça étrange. C'est pas non plus. Je pense que s'il fait un barrage à un endroit, c'est pour y rester en fait. Je suis peut-être con, hein, mais. Je pense parce que là, il y a quand même beaucoup d'arbres là où il est le gaillard, quoi. On va l'appeler le gaillard. Mon castor ténébreux légendaire. Putain, on dirait un blaze de Kiko. J'ai utilisé en 2020 le mot Kiko. Bah voilà. Bon les mimi.
requin. Est-ce qu'il va m'attaquer? Ça me ferait délirer qu'il m'attaque en vrai. De toute façon, il est là-bas. Je vais le prendre en photo. Regardez-le. Ce chenapan. Ce marin d'eau douce. Il fait cool. Bah, écoute, ton pote, on va te faire dormir. On va juste te faire dormir. Non, mais tu dors en fait. Ah! Oui, ça m'a déjà fait le coup. Oh putain, le con. Mais qu'est-ce que je fais? Non, bon. Le truc de pas doué. Ah, j'aurais dû le laisser arriver sur la côte au moins. Sur la côte, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça, un bord de lac. Ça doit avoir un terme scientifique. Alors, que c'est un peu le problème, c'est que là, bah, je me doutais c'était un castor, donc. J'ai fait le mouflon, j'ai eu un combat de mouflon. Hein? Ça aurait quand même de la gueule. J'ai vu le wapiti, il a quand même de la gueule. Hein. Le castor, bon. Le castor, quoi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas contre lui, mais bon, voilà, quoi. C'est un castor, quoi. Mais c'était quand même. Je comprends qu'ils mettent ça, hein, mais bon. C'est un castor, quoi. C'est. Ils mettent la petite cinématique et tout, hein, c'est mignon, hein, mais après, t'es là, on va dire, c'est un castor, quoi. Donc, c'est pas exceptionnel. Mais je comprends, il en faut pour tout. C'est clair et net, hein. Donc, c'est legit, c'est legit, hein. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!